Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2023 pour le signe du Verseau. Donc je vais parler des trois décans. Alors les premiers décans sont les personnes nées entre le 21 janvier et le 31 janvier, donc en moyenne, hein, ça dépend des années, donc ça peut être un jour avant, un jour après. Donc le 20 janvier, 20, 21, quoi, ça dépend, ou 22 éventuellement, selon les années bissextiles, voilà, etc. Les natifs deuxième décan sont nés entre le 1er février et le 10 février. Et les natifs troisième décan sont nés entre le 10 février et le 19 février. Donc je rappelle que c'est un horoscope solaire, c'est-à-dire qu'il est général. On prend que la position du soleil dans le signe en question, hein, le signe natal, donc ici en l'occurrence le Verseau. Mais on ne tient pas compte des autres planètes disséminées dans votre thème de naissance, car cela dépend forcément de votre date, heure et lieu de naissance de chacun. Donc ça ne va pas forcément être les mêmes positions pour tout à chacun. Donc pour cela, si vous voulez un horoscope personnalisé, il faut consulter un astrologue, comme moi-même ou d'autres. Et donc vous pourrez avoir un horoscope personnalisé donc pour votre année 2023. Donc un horoscope, ou bien vous pouvez me consulter éventuellement pour d'autres domaines, hein, connaître votre thème natal, avoir une compatibilité avec d'autres personnes, voilà, etc. Donc voilà, pour la petite info. Donc n'hésitez pas à me consulter, les liens sont à la fin de la vidéo. Dans l'outro et en description sous la vidéo, vous aurez toutes mes coordonnées. Donc, cette parenthèse étant faite, je vais commencer par les natifs, donc premier décan, Verseau. Donc, vous aurez votre soleil en sextile à Jupiter en bélier du 1er janvier au 20 février. Donc, les deux premiers mois de février se commencent plutôt bien, avec des bonnes énergies jupitériennes, là, où vous pourrez vraiment vous sentir épanoui, avoir des opportunités, de la croissance, comme on dit avec Jupiter, donc par rapport aux actions que vous établirez. Donc vous aurez beaucoup d'opportunités, vous vous sentirez à l'aise, bien dans vos baskets, épanoui, joyeux. Donc on va dire que c'est une année qui commence plutôt bien pour vous, hein, une bonne année qui commence sur les chapeaux de roue, peut-être avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'actions à entreprendre. Donc c'est plutôt positif. Donc, n'hésitez pas à saisir les opportunités. Alors, vous pouvez avoir des opportunités tant sur un point de vue, par exemple, professionnel ou affectif, hein, selon votre thème, selon où tombent ces planètes dans vos maisons. Voilà, donc c'est pour ça que ça reste assez général. Je ne peux pas trop détailler, malheureusement. Ensuite, vous aurez votre Soleil qui sera conjoint à Pluton en Verseau dès le 23 mars au 11 juin, date d'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, qui va commencer donc son entrée et donc va faire une conjonction à votre Soleil petit à petit. Alors selon les degrés, hein, parce que c'est un aspect qui doit être resserré, hein, selon où se trouve votre soleil sur les 10 premiers degrés du signe, mais vous allez peut-être commencer à sentir cette influence, donc ça amène des grands changements de vie souvent. Alors ça peut être des nouvelles relations, il peut y avoir quelque chose à revoir, un mode de vie, voilà, hein, il y a des choses qui ne vous plaisent plus, on peut complètement se remettre en question avec un passage de Pluton, hein, dans votre signe, donc avoir la relation, hein, par exemple avec les hommes, avec le père, avec un mari, avec une autorité, donc ça peut vraiment jouer sur votre destinée, sur votre futur. Donc c'est un long transit, hein, Pluton en Verseau, il va commencer cette année, mais il va revenir en Capricorne avant de refaire un passage dans votre signe l'année prochaine, en 2024, pour s'y installer définitivement. Donc autant vous dire que natif premier décan Verseau, vous serez particulièrement impacté par ce transit de Pluton, hein, que beaucoup d'astrologues parlent forcément, c'est un transit majeur, hein, de 2023, même sur le plan mondial, hein, j'aurai l'occasion d'en refaire une vidéo d'ailleurs. Donc aspect très important, donc forcément là c'est vraiment un double tranchant selon les aspects qu'ils formeront dans votre thème. Donc si c'est plutôt des bons aspects, bah, cette conjonction sera plutôt bien vécue, donc des changements positifs. Des remises en question positives, des grands changements de vie, des opportunités de vie, un nouveau cadre de vie. Vous pouvez vraiment vous projeter sur un avenir peut-être qui vous plaira davantage. Hein, un mode de vie beaucoup plus peut-être sain ou peut-être plus en accord avec vos idéaux, enfin votre conception des choses. Hein, donc voilà, il peut y avoir peut-être un nouvel amour qui entre dans votre vie, un nouvel homme, voilà, donc pour les femmes célibataires en tout cas. Pour les hommes, bah, ça peut être aussi un nouveau redémarrage de cycle, des nouvelles choses qui se mettent en place, hein, donc très importantes. Alors c'est peut-être des prémices, hein, ça peut être pas forcément être visible comme ça au premier abord, parce que avec Pluton c'est très très lent, donc ça prend souvent plusieurs années. Hein, oui. C'est la planète la plus lente du zodiaque forcément, donc ça va être vraiment
imperceptible à l'œil nu, comme on dit, mais vous allez le sentir au fur et à mesure. Donc forcément, il peut vous arriver des choses comme ça qui vont se mettre en place dans votre vie. Alors malheureusement, si c'est une conjonction mal inspectée dans votre thème, vous risquez d'avoir des grosses remises en question, des bouleversements qui peuvent vous déstabiliser, vous apporter des lots de conséquences peut-être fâcheuses et dramatiques dans le pire des cas. Mais alors ça peut être soit un déchirement avec un homme, une relation compliquée où on a besoin de revoir certaines valeurs, certaines choses de nous-mêmes et des hommes et des autres. Ça peut être pour une femme, hein, et pour un homme, ben voilà, il peut y avoir aussi des choses à revoir, une période de doute sur soi, de choses compliquées par rapport à l'actualité, qui peut jouer aussi sur notre état moral, sur plein de choses aussi, qui fait qu'on ne voit plus la vie pareil, on a besoin de se projeter dans un futur plus serein, je dirais. Donc c'est vrai que là, c'est une période de qui tout double, hein, donc ça, il faut vraiment voir votre thème après, voir ce qui peut arriver éventuellement. Donc voilà, donc tout ce que je peux dire. Alors c'est vrai que dans le pire des cas, ça peut jouer sur la santé, hein, sur la santé de soi-même, d'un homme, du père, etc. Mais bon, après, il faut vraiment voir le thème de vous-même et de la personne en question éventuellement. Mais c'est voilà, c'est très général, en tout cas des remises en question. C'est ça qu'il faut retenir, le mot-clé, remise en question très importante à ce moment-là. Alors ensuite, vous aurez le carré à Jupiter en taureau du 17 mai au 5 juillet et du 17 novembre au 31 décembre, parce qu'il y aura un passage rétrograde, donc il va reformer à nouveau l'aspect en fin d'année. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va vous donner beaucoup de croissance, d'opportunités, de chance, voire d'expansion. Donc vous allez vous sentir vraiment à l'aise, mais un peu trop. C'est-à-dire que vous allez vous sentir un peu trop suffisant, trop à l'aise, trop expansif, voire trop dépensier. Ça peut être dans le côté matériel, financier. Donc attention de ne pas être trop dans le trop, dans les excès en fait. Donc apprenez à mesurer un peu peut-être pendant cette période certaines choses, revoir un peu peut-être vos dépenses, ne pas être trop suffisant, arrogant, vaniteux. Ça peut déplaire à une autorité, à vous-même, à d'autres. Ça peut jouer sur les relations avec les hommes, on peut s'éloigner, il peut y avoir des manques de tact, il peut y avoir un peu trop des mauvais jugements, de valeurs en fait, donc attention de ne pas trop en faire d'une manière générale. Mais sinon, c'est pas forcément grave avec Jupiter. Ensuite, il y aura le trigone donc de Mars en Gémeaux du 1er janvier au 31 janvier. Donc à nouveau, on revient au début janvier, là, tout le mois de janvier, vous aurez des bonnes énergies, comme je vous ai dit, avec Jupiter en Bélier, pour agir, pour vous sentir épanoui en ce début d'année. Et en plus, Mars va vous apporter l'énergie nécessaire pour mettre en action toutes vos idées, enfin mettre en place toutes vos idées. Donc peut-être que vous fourmirez pareil plein d'idées à faire, être à droite à gauche, avoir plein de choses à mettre en pratique, beaucoup d'échanges. Beaucoup de déplacements éventuellement avec le Gémeaux, ça, c'est le signe des déplacements, donc il peut y avoir attention, enfin sur la route, voilà, on peut se déplacer sans arrêt, être toujours voilà, en faisant toujours attention bien sûr, hein, d'être prudent, mais voilà, avec des bons aspects comme ça, c'est plutôt positif. Donc bonne énergie pour l'action, pour imposer des idées aussi éventuellement, se mettre voilà, d'être plus dans la franchise d'affirmer certaines choses, et ce sera bien perçu par d'autres, vous aurez les mots pour le dire et pour le faire. Ensuite, vous aurez le quinconce de votre soleil à Mars en Cancer du 26 mars au 14 avril. Alors là, en revanche, petit accro, on va dire, par rapport à votre énergie qui est peut-être un peu mal contrôlée, entre guillemets, où il faudra peut-être faire attention à des petites réactions un peu émotionnelles, un peu vives, où on peut créer un peu des mésententes, voire des disputes, mais c'est pas méchant, c'est des petits désaccords, on va dire plus. Donc ça peut jouer au niveau familial, dans la famille, mais c'est vraiment léger, hein, c'est pas grave du tout, donc vous inquiétez pas. Ensuite, vous aurez l'opposition, en revanche, là, de Mars en Lion du 21 mai au 7 juin. Donc attention, là, en revanche, risque d'agressivité, de conflit, là, plus présent, hein, par rapport à peut-être des choses qu'on veut mettre en place, qu'on veut imposer. Donc on a peut-être une volonté dans l'action qu'on voudra plus mettre en avant qu'à l'accoutumée. On voudra briller, imposer ses idées, mettre voilà, sa patte sur une œuvre, sur quelque chose qu'on veut faire. Laisser son empreinte, et ça peut parfois créer des oppositions. Donc forcément, une opposition de Mars comme ça, ça peut être des tensions, soit avec le mari, le collègue, le conjoint éventuellement. Donc après, il faut voir votre thème, hein, mais en Lion, c'est souvent en rapport avec l'amour,
tout ce qui aura pas que l'affectif. Donc ça peut jouer sur vos relations, ça peut jouer sur le rapport peut-être aux enfants, si vous en avez, ou d'autres enfants, que ce soit dans un cadre par exemple professionnel ou même personnel, hein. Ça peut être dans tous les cas, hein. Après, ça peut être au niveau créatif aussi. On peut s'emporter, on ne sait pas comment on voudrait, voilà, ça peut être plein de choses. Donc après, il faut voir votre thème, encore une fois, je suis désolé, je peux pas préciser, hein, malheureusement, ça dépend dans quelle maison cela va tomber. Hein. Ça peut être très bien dans le niveau financier, par exemple. On peut avoir des tensions à ce niveau-là. Problème d'argent, on s'engueule pour voilà, on se dispute pour des questions d'argent, par exemple, c'est possible. Alors voilà, c'est une période un peu en creux là, mais après ça ira mieux, donc vous aurez un trigone. Donc ensuite un Mars en balance du 28 août au 12 septembre. Donc là en revanche, c'est une bonne énergie pour tout ce qui aura un niveau relationnel, pour pouvoir harmoniser vos relations, agir en ce sens pour eux. Donc on peut plus peser le pour et le contre à cette période. Donc voilà, on est plus dans on est moins franc direct du collier, mais voilà, ça permet d'agir en ce sens. Alors, ça peut aider pour des contrats, par exemple, pour des collaborateurs, pour tout ce qui est en rapport avec la justice, éventuellement. Donc là, une bonne énergie pour l'action, pour voilà, tous ces domaines-là. Et d'ailleurs, le sextile à Mars en Sagittaire, ensuite du 25 novembre au 8 décembre, encore une fois, une bonne énergie à mettre en place pour plein d'actions. Ça peut être pour des voyages et des déplacements en Sagittaire, donc ça peut être très bien aussi pour imposer vos idéaux, une certaine conception des choses, une éthique, une philosophie. Ça peut être très bien pour le sport, pour agir, pour se mettre voilà au vert, pour faire plein de choses qui vous enthousiasment en fait. Et donc profitez de cette période pour agir en conséquence. Vous aurez beaucoup de chance de votre côté. Enfin, le Soleil opposé à la Lune noire en Lion du 9 janvier au 8 avril. En revanche, donner une petite zone d'ombre, un côté un peu de manque envers votre ego, envers vous-même, envers peut-être l'amour, un besoin de reconnaissance. Il peut y avoir une petite période où on est un peu assombri, là, on est un peu dans le doute. On a besoin de revoir certaines choses, nos valeurs. Ça peut être une période un peu compliquée, peut-être sur le plan affectif. Avec les enfants, avec notre créativité, pour nos hobbies, pour la spéculation, que sais-je. Donc attention, il peut y avoir voilà, une petite dette karmique à ce moment-là, après voir dans quelle maison ça peut tomber. Si c'est dans la maison 4, ça va parler du côté familial, le foyer, donc il peut y avoir un problème par rapport à ça. Maison 7, ça va être avec le couple. Voilà, maison 8, ça va être par rapport à une question d'argent qu'on doit attendre, qu'on peut recevoir, soit d'un héritage ou autre, d'une banque ou que sais-je, d'un prêt d'un organisme quelconque. Donc voilà, il peut y avoir des complications peut-être dans ces domaines-là. Donc après, voir selon votre thème. Donc ensuite, les natifs, deuxième décan du signe du Verseau. Donc vous commencerez l'année donc encore un peu d'une manière électrique. Alors, vous aurez notamment le Soleil carré Uranus en Taureau toute l'année, hein, donc c'était déjà un peu le cas cette année aussi. Donc malheureusement, c'est une continuité, on va dire, de cette année où vous pouvez vous sentir vraiment en complète rébellion. Hein. Uranus, c'est votre planète, donc forcément ici, elle va vous faire un carré à votre Soleil. Ça va pas trop vous aider sur le plan, on va dire, de la personnalité, des relations. Vous pouvez être forcément en totale indépendance, mais forte. Donc vous voulez vous démarquer vraiment d'un joug, de quelque chose qui vous peut-être vous tiraille, hein, qui vous intérieurement comment dire, vous exaspère. Donc vous pouvez vraiment vous sentir électrique, hein. Donc attention aux réactions. On peut couper court à tout, des communications, discussions. Donc on peut être en rébellion face aux hommes en général, le soleil, hein, ça peut être le père, ça peut être un mari, un patron. Donc attention là, à pas trop vous sentir trop voilà, rebelle, hein, parce que ça va peut-être vous jouer des tours encore cette année. Donc il faut ménager vraiment votre côté électrique. Alors je peux comprendre si votre liberté se sent par exemple menacée. Donc ça peut se comprendre à ce niveau-là, mais faut faire attention à vos réactions parce que ça peut justement vous jouer des tours. Donc attention, toute cette année, hein, vous risquez de le vivre
assez difficilement par rapport à ça. Alors, cependant, en revanche, vous aurez un beau sextile de Jupiter en bélier à partir du 21 février au 5 avril. Donc là, en revanche, ça va vous donner une croissance, de l'opportunité, de la joie quand même dans certaines choses que vous établirez, hein, notamment plein d'initiatives que vous voudrez prendre. Donc vous pouvez quand même avoir des opportunités, vous sentir épanoui. Alors ça peut être aussi qu'un homme d'une certaine manière, même s'il peut y avoir des tensions dans l'air. Il y a quand même une période là entre février et avril plutôt positive à ce niveau-là où vous pourrez avoir de la chance. Alors ça peut être aussi dans le domaine, dans d'autres domaines selon votre thème, hein, soit financier, familial, relationnel ou autre. Donc voilà, encore une fois, il faut voir votre thème. Donc profitez de cette période pour saisir les opportunités, les chances. Hein, vous serez plutôt comblé. En revanche, ensuite, carré à Jupiter, donc après un bon aspect, là, un mauvais aspect de Jupiter en taureau du 6 juillet au 7 novembre. Donc là, attention, parce que peut-être encore une fois, vous aurez peut-être envie de voler de vos propres ailes ou d'avoir des opportunités ou de continuer peut-être sur une continuité où vous étiez parti sur les starting blocks là en bélier. Et là, attention, parce que ça peut créer des fortes dépenses en taureau, éventuellement matériel, financier, mais ça peut être aussi trop de suffisance, trop de vanité, trop d'orgueil, être trop confiant, trop imposer ses vues, son image de marque. Et ça peut déplaire, ça peut agacer, ça peut éloigner. Donc il peut y avoir voilà, un peu trop d'excès de manière générale. Donc faire attention aussi par exemple aux biens terrestres. Hein, que ce soit de table, sexuelle ou autre, par exemple. Donc, il peut y avoir des dépenses, il peut y avoir beaucoup de passion, d'amour, enfin, de choses qu'on peut, voilà, trop faire en excès, qui peut parfois un peu nous retomber peut-être dessus. Alors, sur le plan, peut-être aussi de la santé, ça peut jouer sur le cœur éventuellement, ou sur, voilà, tout ce qu'on rapporte, le taureau, c'est les graisses, c'est le cou, c'est des problèmes peut-être de poids, voilà, donc ça peut être ça aussi sur le plan santé. Donc là, il faut voir aussi votre thème, encore une fois, puis selon vos problèmes personnels, hein, je ne vais pas tout voir comme ça sur vous, hein, chaque personne est différente, hein, chaque verso est différent, tout le monde n'est pas pareil. Voilà, donc c'est un exemple. Ensuite, vous aurez quand même un beau trigone de Mars en Gémeaux du 31 janvier au 4 mars. Donc là, en revanche, bonne énergie pour agir, pour faire plein de choses, pour mettre en pratique vos idées. Pour communiquer, avec vos proches, avec des contacts, pour vous déplacer, peut-être qu'il y aura beaucoup de déplacements, pas mal de choses à faire, à agir. Donc voilà, vous fourmillerez peut-être de mille idées à mettre en place, et c'est plutôt dans la bonne voie pour vous à ce moment-là. En revanche, Soleil quinconce à Mars en Cancer du 15 avril au 3 mai. Donc là, léger petite tension, on va dire, au niveau émotionnel. Donc attention, peut-être dans le côté familial, foyer, de la famille, il peut y avoir des petites tensions. Ça peut être dans d'autres domaines, voilà, de pas trop être sur les nerfs, mais c'est léger, donc il faudra peut-être revoir un peu certaines choses pour pas tomber dans certains conflits dans le pire des cas, mais c'est pas, voilà, c'est plutôt mineur, c'est plutôt des désaccords. Cependant, le Soleil opposé à Mars en Lion du 7 juin au 24 juin, donc un mois de juin plutôt tendu, hein, Mars en Lion oppose votre Soleil, votre signe, donc attention aux conflits là, vraiment aux disputes, fortes disputes. On peut imposer trop sa volonté, ses idées, il peut y avoir des conflits d'ego, on n'est pas d'accord. Ça peut être sur le plan affectif, en Lion, amoureux, ça peut être très bien aussi avec en relation avec des enfants, dans votre créativité, dans des hobbies, dans des spéculations, dans plein de choses que vous voulez faire. Mais même dans d'autres domaines, selon votre thème. Donc attention là aux relations, de ne pas, voilà, être trop dans la tension. On peut avoir beaucoup d'énergie à dépenser et on la maîtrise mal. Et voilà, ça, on sort les griffes et ça ne marche pas comme vous voudrez en fait. Donc attention à cette période. Ensuite, bah, plutôt des bonnes périodes. Ensuite, Trigone Mars en Balance du 12 septembre au 28 septembre. Donc là, en revanche, l'énergie est bien utilisée, elle est dans le bon sens. Donc là, une bonne énergie pour tout ce qui est en rapport avec bah, la balance, la collaboration, rechercher une certaine harmonie dans certaines choses qu'on veut mettre en place. Alors je sais, c'est très abstrait, mais ça peut être très bien dans le domaine affectif, professionnel ou autre. Donc souvent avec les collaborateurs, dans des questions de contrat, de droit, de justice, ça peut être très positif. Donc il peut y avoir un rapport avec l'homme, par exemple, positif pour les relations, le côté affectif, relationnel, etc. Le sextile à à Mars en Sagittaire, pardon, du 8 décembre au 23 décembre, en fin d'année 2023, là aussi est très positif pour agir, pour faire du sport, pour les voyages, pour se déplacer, pour des idéaux, pour des conceptions religieuses, métaphysiques.
voilà, faire des choses qui vous plaisent. Donc là, utiliser cette énergie pour vraiment aller dans ce sens et faire tout ce que vous voudrez. Donc c'est vraiment positif pour vous. Donc foncez, il y a vraiment des choses bien là. Et le sextile à Chiron en bélier toute l'année aussi. Ça se peut combler des blessures, guérir des blessures, se sentir plus épanoui, se sentir à l'aise dans nos actions, bien dans plein de pratiques diverses qu'on peut mener toute l'année par rapport à plein d'initiatives qu'on peut prendre. Donc ça peut combler l'âme et l'apaiser, la guérir et la soulager. Et voilà, vous vous sentirez beaucoup plus en adéquation avec vous-même et éventuellement avec les autres. Donc encore une fois, il faut voir le thème avec les maisons concernées. Enfin, petite note un peu négative, malheureusement, Soleil opposé à Lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet peut donner une zone d'ombre, un petit conflit de valeurs, d'image sociale qu'on peut donner. Donc il peut y avoir une zone d'ombre, on peut être un peu plus dans une période un peu sombre où on a besoin de se mettre en valeur, on n'est pas valorisé comme on le voudrait, il peut y avoir un manque d'amour, on peut avoir une dette karmique par rapport à tout ce qui est rapport au niveau affectif, aux enfants, à la créativité. Voilà, donc ça peut être un rapport avec le père aussi, au mari, à l'homme. Donc attention, il peut y avoir une période là un peu de zone d'ombre, on ne sait pas trop situé, il y a un manque. Alors ça peut être dû à des vies passées souvent, mais voilà, après il faut voir votre thème. Mais bon, c'est passager jusqu'au 7 juillet. Donc voilà pour les deuxièmes décans. Alors enfin, les troisièmes décans donc, du signe du Verseau. Donc vous aurez le Soleil conjoint à Saturne en Verseau du 1er janvier au 6 mars. Donc un trimestre où. Alors ça sera en demi-teinte selon les aspects que vous aurez dans votre thème. Donc si c'est plutôt un aspect bénéfique, bah, vous serez assez sérieux. Vous pouvez établir des choses assez rigoureuses et pratiques et constructives. Hein. Alors ça peut être dans des projets avec des amis. Ça peut être très bien. Dans d'autres domaines selon votre thème, hein. Si ça tombe dans la maison 2, par exemple, ça peut être au niveau financier, on peut voilà, développer une croissance matérielle constructive, financière, matérielle. En maison 3, ça peut être pour des déplacements plus durables, plus constructifs, des échanges beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posés, concrets. Donc là, c'est bien pour voilà, par exemple, établir un livre, une écriture, aboutir à un projet. Réaliste et qui prend forme dans la matière et un projet voilà qui peut se faire en Verseau, donc ça peut être très bien dans d'autres domaines hein, selon votre thème, donc profitez de cette période pour vraiment asseoir quelque chose de constructif hein, de manière générale. Si c'est plutôt mal inspecté, attention, parce que là il peut y avoir des difficultés, des blocages, des obstacles, donc attention aux frustrations, peut avoir des projets qui tombent à l'eau, peut avoir des restrictions sur tel ou tel domaine selon votre thème. Alors ça peut être aussi bien affectif que professionnel par exemple. Donc tout dépend forcément de les aspects que fera cette conjonction dans votre thème respectif. Ensuite, vous aurez votre Soleil sextile à Jupiter en Bélier du 5 avril au 16 mai. Donc là, en revanche, c'est plutôt positif. Bonne période pour croître, pour avoir des opportunités, pour vous sentir bien dans vos baskets, être à l'aise, enthousiaste. Ce serait une période où vous vous sentirez positif, plein d'énergie, d'entrain. Donc vous réagir vraiment selon votre volonté, selon vos conceptions, et vous le ferez bien. Donc vous serez assez leader dans ce que vous voudrez faire, donc ça serait c'est vraiment positif pour agir, pour saisir les opportunités de manière générale. Donc après, il faut voir votre thème, hein, dans quel domaine ça tombe. Donc les rapports aux hommes souvent peuvent être assez bénéfiques. En revanche, le carré à Uranus en Taureau du 29 mai au 10 décembre, là va bah, vous créer un sentiment un peu électrique. Donc comme pour les premiers décans, vous allez vous sentir assez rebelle, hein. Les deuxièmes décors, pardon, vous allez vous sentir assez rebelle. Donc attention là, parce que c'est votre planète, Uranus, donc en taureau, voilà, il y a besoin de sortir d'une zone de confort, donc peut-être, attention, ça peut vous déstabiliser, et puis vous sentir assez rebelle, électrique, vindicatif, imprévisible hein, même, donc attention à vos réactions, ça peut être mal vu, et ça peut vous jouer des tours. Ça peut jouer aussi sur le cœur, hein. Souvent on peut y avoir des emballements cardiaques, dans le pire des cas, donc rassurez-vous, après il faut voir le thème de chacun, c'est pas forcément le cas, mais ça peut créer des tachycardies, des choses comme ça, ou des emballements, des palpitations, voilà.
Voilà. Donc ensuite, vous aurez le trigone à Mars en Gémeaux du 4 mars au 25 mars, donc un mois de mars plutôt positif, on va dire, avec une bonne énergie de Mars. Vous agirez en fonction de vos idées, donc vous pouvez mettre en pratique plein de choses, plein d'idées en pratique. Donc ça, c'est vraiment positif. Agissez, beaucoup de déplacements, plein de choses à faire, peut-être aller à droite, à gauche, avoir beaucoup de déplacements, de communication, d'échanges avec des proches, les voisins, des contacts divers et variés dans vos relations. Donc il peut y avoir plein de choses qu'on a envie d'échanger, d'imposer, voilà, de mettre en place. Donc vraiment une bonne énergie. Soleil quinconce Mars en Cancer, ensuite du 3 mai au 20 mai. Donc là, en revanche, attention aux petits désaccords, aux petites réactions émotionnelles qui peuvent parfois un peu agacer, énerver, ou ça peut jouer dans la famille, dans le foyer, mais dans d'autres domaines, selon votre thème, encore une fois. Donc c'est pas méchant, c'est souvent des petites choses à réajuster. Ensuite, en revanche, attention à l'opposition de votre Soleil à Mars en Lion du 24 juin au 10 juillet. Là, ça vous crée des tensions nerveuses, des disputes, vous sortez les griffes. Attention à ne pas trop imposer vos idées, de ne pas être trop, comment dire, tyrannique. Alors, plus le Lion, en face, vous pouvez tomber sur quelqu'un de tyrannique, mais vous pouvez aussi le subir comme le provoquer. Donc, attention de ne pas être trop dans les conflits d'ego, comme on dit. Être plus malin, plus subtil, voilà. Bon, après, c'est pas toujours évident, hein. Les énergies sont là, donc on doit souvent les vivre. Donc une période d'été là qui peut être un début d'été qui peut pas forcément être évident pour vous là. Alors c'est peut-être un rapport avec les vacances, hein, pourquoi pas, qui se font pas forcément comme on voudrait. Ça peut être compliqué, ça peut créer des tensions avec un patron par exemple. Bon, enfin, après faut voir. Ou après c'est souvent en amour, en lion avec le conjoint, les enfants, etc. Vous aurez un bon trigone ensuite de Mars en balance du 28 septembre au 12 octobre. Donc là, en revanche, bonne énergie pour les collaborations, pour mettre en place certaines choses, peser le pour et le contre. On est plus dans une énergie d'harmonisation. Donc on est là pour vraiment essayer de trouver un accord, une entente. Donc c'est bien pour les contrats de toutes sortes, les relations avec des collaborateurs, le conjoint ou la conjointe. Ça peut être bien pour voilà, pour la justice. S'il y a des problèmes de justice, ça peut peut-être aider pour trouver une solution efficace éventuellement. Voilà, donc ça peut être dans plein de domaines. Tout ce qui rapporte le relationnel en général est plutôt positif. Ensuite, votre soleil sera sextile à Mars en Sagittaire du 23 décembre au 31 décembre. Donc une fin d'année, encore une fois, positive sur le plan de l'action par rapport à des idées, des voyages, enfin, des idéaux, des conceptions. Donc ça peut être bien pour le sport, pour agir, pour faire ce qui vous plaît. Ça peut être profiter par exemple de vacances au sport d'hiver, pourquoi pas. Ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Il y a une bonne énergie qui se fait en vous-même avec soit les hommes, l'amour, l'amoureux en question. Voilà, donc il peut y avoir un voyage d'amour, pourquoi pas. Bon, enfin, en tout cas, il y a une bonne énergie encore qui circule à ce moment-là. Enfin, donc le soleil quinconce à la lune noire en cancer du 1er janvier au 8 janvier crée une petite dichotomie, une légère zone de nostalgie, un manque par rapport au passé, à la mémoire, le cancer. Ça peut jouer au niveau familial, du foyer. Donc c'est la première semaine de janvier, on peut après les fêtes, voilà. Ça peut être par rapport à la Guerre des Rois, se remémorer des choses, le manque de ne pas être en famille. Par exemple, mais ça peut, voilà, ça peut être aussi se remémorer le passé, puis on peut se sentir un peu, voilà, un peu nostalgique, mais c'est pas méchant parce que c'est un quinconce, donc ouais, c'est pas quelque chose qui va nous brider à mort, quoi. C'est léger. Et enfin, donc le soleil opposé à la lune noire en Lion, en revanche, du 8 avril au 7 juillet, va vous, en revanche, là, vous donner plutôt un manque, une zone d'ombre. Hein. Donc là, attention, au niveau de l'ego, de se mettre en valeur, ça peut poser problème. Ça peut être une relation avec un homme qui est karmique. Donc il peut y avoir une dette karmique par rapport à un amour, avec des enfants, une créativité. Donc on peut se sentir un peu mis à l'écart ou pas avoir ce qu'on veut. Un problème voilà, d'image de soi, d'autres. Donc on peut se sentir soit en manque d'amour. Donc c'est un peu plus peut-être difficile. Alors selon le thème, encore une fois, de chacun, hein, c'est pas forcément grave comme je l'annonce, parce que c'est pour marquer vraiment l'aspect qui est beaucoup plus important. Mais si votre thème il est très relatif par rapport à ça, il est soutenu par de bons aspects, ben voilà, vous le sentirez presque pas, ou voire pas du tout, hein. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. C'est pour ça que c'est très important de faire un thème personnalisé, hein.
Et enfin, le soleil sextile Eris en bélier toute l'année va vous mettre du baume au cœur pour tout ce qui est relationnel, donc trouver à travers des choses qui peuvent diviser ou trouver un certain sens du rassemblement, se retrouver en complétude, être en harmonie plus avec nos relations, même si dans les actions ça peut pas toujours plaire. Ça peut être un mal pour un bien, pour trouver qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Alors je sais, c'est très général, il faut voir dans quelle maison ça tombe. Et cet aspect est beaucoup plus mondial et assez récent, donc il est plus difficile à exprimer. Voilà, voilà, donc j'ai terminé pour l'horoscope 2023 pour le signe du Verseau. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à le faire, hein, si vous voulez avoir votre horoscope personnalisé, donc beaucoup plus précis. Donc vous avez toute la description à la fin de la vidéo et sous la vidéo dans le descriptif, donc n'hésitez pas. Et puis quant à moi, je vous dis portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe et le dernier signe du Poisson. Au revoir.